Les cinq sens en cinq dates sur le canton d'Orthe et Arrigance, c'est ce que proposent les effervescences du 14 au 2 juillet. Avant de rejoindre les classes de Thiel et Mouscardès, Michael Moisef initiait le 14 juin les plus petits de l'école d'Ossage aux arômes et parfums. Car sentir, c'est aussi s'ouvrir au monde qui s'offre à eux. Le truc, c'est explorer. Ils viennent d'arriver sur une nouvelle planète, c'est des cosmonautes, quoi. Et l'odeur, ça donne plein d'informations tout de même. Et c'est le début. Après, ils vont se développer, peut-être ils seront cuisiniers, peut-être ils seront vignerons. Enfin, ça peut leur être très utile. Et voilà, c'est un outil merveilleux qui nous est offert à la naissance. Et je pense que c'est bien qu'ils en aient conscience déjà. Les cinq sens, c'est quelque chose qui nous relie. Et puis, je pense que dans un monde aussi de consommation tel qu'il est, il y a des sens qu'on a tendance à plus aborder de la même manière. C'est un peu le cas de l'odorat, où on a plus affaire à la vue, où beaucoup de choses sont sous cellophane, sous blister, et les odeurs ne sont pas libérées. Et là, c'est vraiment l'occasion de faire prendre conscience de ça. Et bien sûr que c'est important de le faire à travers des actions en direction d'un public scolaire. Petits et grands, vous êtes tous conviés sur le territoire d'Orthe et Arrigance. Atelier d'initiation à l'origami à Peille, conte exposition autour de la Grande Guerre à Abbas, sensibilisation autour du goût, conférences théâtralisées et dégustation à Cagnotte, musique à Oriste, les sens seront en émoi. Le 2 juillet, tous les goûts seront dans la nature du club des hydropathes à la maison du Pourtao à Conneille pour faire revivre le poète et romancier landais Jean Rameau. Lors d'une soirée exceptionnelle, quatre artistes seront conviés à explorer les cinq sens en chansons, textes, poésie, musique. Bouquet final les 13 et 14 juillet à Hastingues lors du festival La Parade des cinq sens.